l'idée de l'équitation que je pratique, c'est que je ne veux pas m'opposer au mouvement du cheval, je veux entrer dans le mouvement du cheval et l'amplifier. Donc Emmanuel, l'avantage que je trouve dans votre selle, le premier avantage, c'est que la selle restitue le mouvement ondulatoire du dos. C'est-à-dire que la réaction mécanique, elle se fait dans un mouvement ondulatoire et donc on a une bonne perception des mouvements du dos et de l'arrière-main. La deuxième chose, c'est comme je suis reculé d'au moins une dizaine de centimètres, le cheval a trouvé son équilibre au piaffé, comme vous avez pu le voir. Et même chose dans la pirouette au galop. À partir du moment où j'ai utilisé votre selle, tout ça, ça s'est vraiment mis en place et le cheval n'a plus besoin d'être aidé. Voilà. Et puis, il y a aussi le fait que la matelassure, ici, par la forme de l'arçon, laisse la liberté des épaules. Et depuis que j'ai cette selle-là, on voit bien dans les appuyés que le geste des épaules est complètement fluide. Donc, la selle de raide d'endurance est mieux qu'adaptée à l'équitation de dressage de tradition française. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est un grand bonheur.